Alors là, c'est l'Europe. Là, c'est l'Afrique, l'Amérique. Moi, j'aimerais bien partir en Asie. Elle est où l'Asie? Là. Ah, elle a trouvé! Oui, c'est là l'Asie. T'as trouvé, Ellie? Oui, l'Asie. Parce que moi, j'aime bien en Asie parce qu'ils ont plein de produits qu'on n'a pas chez nous. Et moi, j'aime bien quand on reçoit des colis qui viennent d'Asie parce qu'il y a plein de choses à découvrir que nous, on ne connaît pas en France. Moi, j'aimerais bien. Coucou les petits copains, les petites copines. Bah, on va aller en Asie. Bah, ça va bien, on aurait bien aimé aller en Asie, mais c'est un peu loin. Alors, nous, c'est un on peu disait, cher aussi. C'est un peu cher aussi. Alors, on disait. Alors, on va aller en avion avec. En avion, c'est un peu cher. Alors, on disait qu'on aime bien recevoir des colis d'Asie. Ça fait très longtemps qu'on en a pas reçu. Là. J'espère. Et ça nous fait voyager. Et ça nous fait voyager un petit peu par procuration. Donc, moi, j'ai reçu un petit colis. T'as reçu un colis d'où? Ouais, d'Asie. De France? D'Asie? T'as reçu un colis d'Asie, maman? Oui. Maman, elle a reçu un colis d'Asie. Est-ce que vous aimeriez pas ouvrir ça après le générique? Mais à fond! Tu m'as lancé le moi! Je lance, ou tu le lances, ou je lance, ou tu le lances, tous ou... les deux! Tous les dans le temps? Un, non, deux! Non, trois, les trois! Tous les trois! Un, allez! Un, deux, trois! Générique! Le colis, le colis, le colis, le colis qui vient d'Asie! Et nous revoici avec le colis à ouvrir! Il est gros, mais il non, est énorme. Il est ma taille. Il a ta taille, tu vois? Vas-y, tu vois? Ouais, il a ta taille. Oh, il a un trou! Oh, il y a un trou! Ha ha! Oh, il y a un trou! Oh, il y a un trou! Oh, regarde! Oh, attends, on va le craquer. Ou alors, non, c'est quoi? On va pas le craquer. On va l'ouvrir tout doucement. Et puis, on va ouvrir une chose par une chose. Comme ça, au moins, on aura la surprise à chaque fois. Alors, je te laisse mettre ta main dedans et sortir site, une première chose. Le site, c'est Dressy. Alors oui, effectivement, Mamounette, le site qui nous a envoyé ça, enfin la boutique en ligne, c'est Dress Lily. On vous mettra tout en barre d'infos. C'est un site asiatique qui vend donc tout un tas de choses, de gadgets, de squishy, de vêtements aussi. Choses que vous allez voir, de vêtements. Un peu. Et on vous met tous les liens en barre d'infos. Oh alors, un petit squishy panda, trop mignon, avec du bleu. C'est trop chou. Je suis stressé. Il est trop chou, bleu là, un dégradé de bleu au violet. Attention, il va reprendre sa forme. Mamounette! Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, papa? On en a un autre! Oh, t'en as un autre? Oui, Ellie, elle en a tiré un autre, regarde! Ellie, allez! Tire un autre squishy! Un autre! Viens, je t'aide! Tiens! Ouais, mon amour, il est trop chou celui-là! J'aime bien, j'aime beaucoup! Alors regarde, celui-là, Mamounette, il ressemble à une licorne! C'est un squishy licorne! Ah, celui-là, il est mignon, hein! Il a une tête de petit chat! Tous les liens des produits dans la barre d'information! Oui, hein. Vous aurez tout, ça fait que s'il y a quelque chose qui vous plaît, bah, vous pourrez le retrouver! Alors montre-moi celui-là, ma puce, tu veux que je t'aide à l'ouvrir? Allez, ma puce, vas-y, vas-y! Ouais! Oh, il a l'air chou! Papa. Ah mais c'est vrai, ils sont beaux. Ils sont la barbe à papa. Ils sont trop bons. Pas la barbe à papa. Je tiens. Les bonbons. Non, ils sentent la colle. J'adore cette odeur, la colle. Elle veut pas me le montrer. Mais lui aussi, il sentait bon, Mamounette. Mais oui, je l'ai senti. Il sent lui. Alors, sans le Il sent l'amande un petit peu. Un peu l'amande. Il est beau, hein. Il est trop chou. Ah, il est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus beau que le panda. Oh, ils sont une petite licorne trop mignonne avec plein de couleurs. Mamounette, on a envie d'en tirer un autre objet. Allez, un autre objet, vas-y. Ah, suspense, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un moule en silicone. Alors on peut l'utiliser avec la pâte à modeler, avec la colle Cléopâtre. On peut l'utiliser avec tout un tas de choses. Mais on peut même peut-être faire des gâteaux avec la Wipam aussi, il me semble, chez Cléopâtre. Tout à fait. Allez, tire. Et puis les chaussures. Oh, il y a des chaussures. Et en plus, c'est pas Ellie, elle est à fond. Elles sont craquées. Oh, c'est rigolo. Ah oui, il y en a qui est un petit peu craqué là. Bon, c'est pas grave. Alors, fais tu voir. Tu me montres mon chaton? Sens-le. Ah oui, sens-le. Est-ce que ça sent quelque chose? Non, c'est non. Un moule en plastique tout mou. Je pense pas que ce soit du silicone parce que c'est très très lourd. Donc, je sais pas si vous verrez bien, mais là, on a des petites chaussures, un petit biberon, des petits. Maman, un petit canard. Oui, mon amour. Elle a ouvert autre chose. Waouh! Un squishy donut. Un squishy donut, oh il est trop beau. Et Mamounette, il est chou. Mamounette. Quoi? Je ressemble à qui quand je fais ça, regarde? Attends, regarde. Mais qu'est-ce que là, tu veux nous voir à travers? Et là, je suis qui? Donut. Oh, meurs.
Alors qu'est-ce qu'elle a trouvé? Des œufs? Des œufs? Ils nous ont envoyé des œufs de Chine? Des œufs de Chine? Egg? Attends, fais voir. Ah, c'est ça? Ah oui, tu as raison. Ah oui? Regardez les petits copains et les petites copines. D'ailleurs, on voit des œufs. Alors, on va l'ouvrir, hein. On va essayer de ne pas le craquer parce que. Ils sont quoi, il y a vraiment une boîte à œufs dedans. Tu vois? Waouh, regardez, c'est vraiment une boîte d'œufs. Trop chou. Alors, tiens, moi, je voulais tu peux l'ouvrir, mon amour. Elle par l'instant, elle a ouvert autre chose. Ah, ça va? Elle s'excite tellement qu'elle en tousse. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attendez. Mais. Oh, ce sont des œufs en bois. Et dedans, il y a même le jaune d'œuf. Regardez. Oh, et toi, t'as un nouveau squishy. Regarde, Mamounette. C'est trop beau pour jouer dans sa petite cuisine. Oh, c'est trop bien. Tiens, Mamounette. Un cactus. Attends, on le regardera après. Et voilà l'œuf. Je vous le montre de très près. Donc, il est en bois. Ding, ding, ding. Oui, mon amour, attends. Et là, vous avez le jaune d'œuf qui est en bois également. Voilà, et donc on a des jaunes et des blancs, oui, c'est ça? Oui, des blancs. Et il y en a qui sont pas ouverts, en fait, qui sont cuits, je sais pas. Donc, on peut faire un tour de magie. Alors, entre-temps, je vous montre le squishy qui est en forme de cactus. Il est trop chou! Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. On va avoir une collection de dingues de squishy. Hé, Mamounette, je fais un tour de magie. Regarde, tu vois cet œuf? Oui. Il est cuit dur? Oui. Bah, regarde bien. Ah! Oh là là, quel magnifique effet! Quel magnifique tour de magie! Wow. Bon, je manque encore un petit peu de dextérité, hein. Mais bon, ça peut faire un super tour de magie. Alors, hop, de côté, qu'est-ce qu'on sort d'autre? Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on sort d'autre? Qu'est-ce que c'est? Une glace! Un doudou en forme de glace? Une glace à la framboise, à la fraise. Oui, en fait, c'est pas un doudou, Mamounette, c'est plutôt un coussin. C'est un coussin pour les bébés minuscules. Je suis stressée. Fais voir. Tu me montres mon chaton? En tu quel... montres Mamounette? Quel tissu il est? Ah non, c'est du vrai tissu. Ah, il y a l'étiquette, ils ont collé l'étiquette dessus. Raconte l'enlève tout doucement. Il est en tirano, Mamounette. Voilà, c'est imprimé, ça vraiment le décor d'une glace à l'italienne. Mmh, glace à l'italienne à la fraise. Mamounette, on a trouvé autre chose. Ellie, elle a tiré dans le sac magique. Il ne s'arrête plus en fait. Hein. J'ai l'impression que. Il n'a pas diminué. Il ne s'arrête jamais. En fait, on en a enlevé 5-6. Là, il est encore plein. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit sachet blanc, mon cœur? Je vais t'ouvrir. Alors, les petits copains et petites copines, ce sont aussi des anti-stress. Allez, tiens, ma puce. En voilà un. En voilà un. En voilà deux. En voilà deux. Et en voilà trois. Donc, ce sont des petits chats tout mous. Je vais les ouvrir. Bah oui, ouvre-les. Ouvre-les, ma puce. C'est toi qui l'ouvre, vas-y. Moi, j'ouvre celui-là. Ouais. Ok, allez, on ouvre chacun son. Ah, un squishy qui tombait par terre. Elle est légèrement excitée. Je vais t'aider. J'ouvre celui-là? Oui. D'accord. Alors moi j'ouvre celui-là. Regardez. Ah, c'est des petits chats. Regardez-moi ça. C'est chou. C'est rigolo. Regarde, maman. Oh, regarde comme il s'étend. J'ai peur de le déchirer quand même. Oui, bah, pas trop loin, Mamounette. En fait. Je vais t'expliquer comment ça marche. Il faut le poser par terre et appuyer avec son ensuite comme dessus ça. Comme ça. Ah, bah, et ça déstresse. On le met sur son. Après, on s'assoit et on voit. Ça sent fort le plastique. Ellie, elle s'assoit dessus. Elle se déstresse les fesses. Donc, on en a un qui a les oreilles roses, un qui a les oreilles noires et oranges. Bah, moi, j'adore la licorne. Et un qui est gris. On en a trois différents. Et ils font tous dodo. Donc bah on les pose à plat, on met son petit doigt et ça déstresse. Je sais pas si ça colle sur une vitre. Est-ce que ça colle sur ma tête? Oui, ça colle sur ma tête. Qu'est-ce qu'on met sur le doigt? On est désolé si vous entendez un petit peu hurler dans cette vidéo, mais c'est qu'Ellie, elle est trop excitée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, oui. On en avait vu dans les magasins, alors il y a plein de modèles différents, je vous les montre, il y a plein de, enfin, des couleurs différentes. Ellie, elle a choisi le panda classique, ou c'est papa qui a choisi, ou c'est eux qui nous ont envoyé au hasard, on sait pas. Au hasard. I react to touch, motion and sounds. Alors, il y a même le tournevis dedans pour mettre les piles. Oui, parce qu'il fonctionne avec des piles. Comment ça fonctionne, cette chose? On va regarder, il y a forcément des piles, il tourne la tête. Swing them, pet them, rock them to sleep. Alors, on, off. Je pense qu'il faut mettre les piles parce que. On a pour les enfants parce que moi j'arrive pas à mettre autre chose que mon petit doigt. Donc c'est vraiment pour les enfants. Bon, on regardera ça après. Je vais voir, il faut peut-être que je dévisse pour que je mette les piles. On regardera ça après les petits copains et petites copines. Ensuite, qu'est-ce que tu as eu? Un œuf de licorne.
Un œuf de licorne, Mamounette. Un œuf de licorne. C'est pas vrai. Ah bah oui, c'est son œuf. On a eu la licorne et maintenant on a l'œuf, forcément. Allez, vas-y, enlève-le. Sors-moi cet œuf de son emballage. Oh, donc cet œuf, il faut le mettre dans l'eau, ma puce. Tu sais, on le met dans l'eau. Je servais l'étiquette. Ah oui, t'as raison. T'as raison, faut enlever l'étiquette, elle sert à rien l'étiquette. Donc c'est un œuf qu'on met dans l'eau et puis au bout de quelques heures, eh ben, en fait, la coquille se disloque et la petite licorne sort comme ça, elle grossit avec l'eau. Et oui, dans nos toutes premières vidéos, on l'avait fait avec des œufs de dinosaures. Fais voir, regarde, elle a pas mis un œuf, Mamounette. Oh là, ben, il était vraiment gros cet œuf, hein, parce qu'il est aussi gros que. Chapeau la licorne, hein, parce que c'est un sacré œuf. Allez, on ouvre. Voici l'œuf qui est en fait une petite substance en plâtre et en le mettant dans l'eau, il va dissoudre. On vous donnera des nouvelles de la licorne, peut-être un de ces quatre. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre, ma puce, dans ce sac magique? Un bébé. Oh. C'est pour les bébés. Oh, c'est rigolo, ça, c'est pour les bébés. Mais c'est quoi? Bah vas-y, ouvre. Oh, qu'est-ce que c'est? Je l'ai ouvert tout de suite. Bah, c'est un donut lapin, ma mounette. Oh, trop chou. Fais voir. C'est un petit dodo. Ouais, il fait. Oh! Il fait quoi? C'est un pet style. Très kawaii, très sympa en forme de donut. C'est rigolo. Et on a trouvé autre chose, Mamounette. Regarde, dedans, il y avait. Alors attends, je vais t'aider, ma puce. Hop, regarde. Attends un petit peu, mon lapin. Ouvrir. Regarde. Oh, wow! Une super porte-clés, tête de licorne. Il est tellement énorme, on va plus pouvoir faire nos clés avec ça. Et t'as vu un petit peu la corne comme elle brille? Ouais, tout en paillettes et tout. Par contre, elle a été décapitée, la pauvre. Hein. Ouais, faut pas dire ça. Et regarde, Mamounette, ce qu'on a encore. Sympa. Regarde ce qu'on a eu encore. Ah oui, c'est encore des anti-stress tout mou. Des anti-stress tout mou, des poussins, c'est cette fois. Des pioupiou. Alors, on les ouvre. Il y en a comme trois. Ça, comme ça. C'est les mêmes, ouais, c'est la même chose. Il y en a trois. Soft squishy. Oh, regarde, Mamounette. Regardez-moi. Trop mignon. Sur le maman. Alors, ça sent rien. Ouais, ça sent rien du tout. C'est trop mignon. Alors là, par contre, c'est tous les mêmes. Hein. C'est tous les mêmes. Ce sont des triplés. Ouais. Oh, c'est rigolo. Hey, j'ai une idée, Mamounette. J'ai une idée. Regarde. 1, 2, 3, triplés. Regarde, Mamounette, j'ai une idée. Regarde bien. Je mets dedans. Hop, hop, ça hop. Passe pas. Si, regarde, Mamounette, celui-là, il a été fécondé, cet œuf. On peut pas lui mettre son petit caliméro dessus, regarde. Hop, Mamounette, on mange un œuf. Ah bah non, yes. Il y a plus ça dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Allez, tire. J'ai hâte de savoir ce qu'on a ensuite. Vas-y. Ça n'est jamais fini. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une tirelire. Oh oui, c'est la tirelire qui mange là, qui avale. On présente la pièce et la tirelire elle fait Face bank. Waouh, allez, on l'ouvre. Allez, on l'ouvre. Oh, c'est trop rigolo. Et pas le mais. Allez, il va falloir mettre des piles. Regardez les petits copains et petites copines, la tête que ça. C'est voir mon chaton. Il y a encore. Où sont les pièces? Ah bah, peut-être qu'il y en a dedans, on va voir, fais voir. Ah, attends, fais pas de bruit. Non, il n'y a pas de pile. Mais en fait, piles. On va regarder. Hein. Ouais, ils sont là, je pense. Oui. Hop. Non, il n'y en a pas. Et regarde, Mamounette. On mettra les piles et je vous montre alors la tronche de la tirelire. Donc, c'est en silicone tout mou. Quand on va mettre la pièce, elle va l'avaler. On va le faire fonctionner juste après. Hein. Oui. Trop chou. Je mettrai des piles et puis on vous montrera ça. Et voici la dernière chose qu'il y avait dedans. What? Un Tetris géant en bois. C'est alors sympa. Ça c'est sympa. En fait le but du jeu c'est de renverser toutes les pièces. Donc on reconnaît bien toutes les pièces du Tetris hein. Le carré, le C comme ça, le zigzag, le petit L, le grand L. Je suis pas sûr que le petit L il soit dans Tetris hein. Si, c'est bah si. Je suis pas sûr. Ah bah si. Si, ah bah le si. C il y est. Ah bah oui. Oui bon. Alors le but du jeu c'est de... Et ça me fait penser d'ailleurs à un jeu de société là qu'on avait joué Gagne ton papa, c'est Gagne ça Gagne ton papa, oui c'est ouais, ça, ça y ressemble. Ça me fait penser à ça. Donc le but du jeu c'est de faire tomber toutes les pièces et après de reconstituer, enfin en fait de remplir complètement l'espace qu'il y a dans ce tableau sans en avoir un qui reste à la fin quoi. Donc ça on pourrait y jouer et derrière on voit qu'on peut faire des figures avec. On peut faire des petits bonhommes, un parapluie, un pistolet, on peut faire tout un tas de choses, un bateau. Mon chat. C'est sympa. Donc le petit jeu il s'appelle Wood Intelligence. Ce sont des pièces en bois. Donc là vous voyez il est sous film plastique. Il faudra tout ouvrir.
et avec. Voilà, donc c'est bien parce qu'on a là, le modèle, parce que quand on va l'enlever, on n'arrivera plus jamais à le refaire, on va galérer. Et après, on peut faire plein de petites figurines, sympa, sympa. Moi, je vais y arriver parce que je suis fan de Tetris, j'adore les jeux vidéo. Moi aussi, hein, d'abord. Bon, les petits copains de copines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des piles là-dedans. Et on vous remonte ça tout de suite, dans le panda. Là aussi, on va essayer de mettre des piles et puis on se retrouve tout de suite après, une fois qu'il y a les piles. Tout de suite. À tout de suite. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Donc nous avons notre tirelire bleu qui est comme ça. Nous avons notre panda qui est comme ça. Donc pas de chance pour le panda. J'ai eu beau chercher dans toutes mes piles boutons, hein, j'en ai pourtant pas mal, hein. Et ben je n'ai pas trouvé celle qu'il fallait, bien sûr, parce qu'on les a déjà utilisées. Regardez, il en manque et ben forcément c'est celle qu'il nous fallait. Donc on ne pourra pas le tester. Il y avait des piles fournies mais elles fonctionnent plus. Oui, parce qu'elles sont usées. Donc on ira en acheter puis on vous montrera éventuellement ça dans une autre vidéo. Mais en gros voilà, ça marche comme ça, comme vous montrez Lee, on le met sur le doigt et il tourne la tête comme ça, c'est rigolo. Il y a de la lumière, il fait du son aussi. Oui. Il bouge les yeux, etc. Bon, dans une prochaine vidéo les petits copains et copines. Voilà à quoi ressemble le petit panda de près. Voilà, donc il est tout en plastique, à part sa petite touffe de cheveux. Vous le mettez sur votre doigt comme ça, et après il s'agite, il bouge les yeux, et il émet du son. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Et allez, la tirelire, là on a les bonnes piles. Et là, 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 les petits copains et copines, ça marche, parce qu'il y a des piles. Alors, hop là. Tu nous montres, Ellie. On nous montre comment ça marche, allez, vas-y. Alors, on présente la pièce, ça va le faire marcher, il va détecter la pièce. Ah oui, mais il faut la laisser dedans, mais puisqu'on faire comme ça. Hop, et il l'avale, regarde. Regarde, il l'avale, hop là. Ah, c'est rigolo. Miam, miam, miam. Allez, tiens, avale-en une autre. Allez, avale-en une autre. Ouais, elle est grosse. Hop. Là, je l'ai mis au bord, je suis pas sûr qu'il y arrive. Hein. Il y arrive? Ah, attends, on va le re... Ah, il l'a aidé. On va le relancer. Alors, on va lui mettre la pièce. Tiens, petite tirelire, mange. Ah, elle a recraché, tu veux pas ma pièce de 1 euro? Allez, mange, 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 mange. Miam, miam, gourmande. Voilà. Ah, Ellie, elle nourrit sa tirelire. Tiens, petite pièce. C'est une petite pièce. Oh, oh bah t'as vu comment elle est restée? Elle la pousse avec ses doigts. Ellie, elle la pousse. Ah, c'est rigolo ça. Donc en fait, il faut prendre la pièce et toucher un petit peu dessus comme ça pour qu'il le détecte. Et au bout d'un moment, il se met en route. Voilà. Là, Ellie vient de faire capter la pièce. Et là, miam, miam. Allez, vas-y, ma puce. Miam, miam. Allez, alors là, elle en peut plus. Elle est pleine, elle en peut plus la tirelire. Elle dit, j'ai plus faim. Et moi, ma monnaie, tu veux pas me mettre des billets de 500 euros là? Mais si j'en avais, je te les mettrais. J'en ai pas. Donc voilà, les petits copains, copines, c'était bien rigolo ça. On va vous faire un petit récap de tout ce qu'on a eu là. On va vous montrer tout ça là. Là, vous allez tout voir. J'espère que cette petite ouverture vous a plu. Et puis, si vous avez envie d'aller voir les produits qui coûtent vraiment rien du tout, pas très cher, hein, c'est tout de l'ordre de 2-3 euros. Même pas, il y a des choses qui valent 1 euro. Franchement, c'est vraiment pas cher, Dress Lily. Et vous pouvez même trouver des habits. Oui, il y a plein de vêtements. Je vous mets tout en barre d'infos. Tous les liens de chaque petit objet. Voilà, on vous fait de gros bisous, petits copains. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Des petits pouces bleus, des likes, des partages. Des commentaires. Dites-nous ce que vous avez préféré dans tout ça. Est-ce que c'est la tirelire, l'œuf, les squishies, lequel? Le panda qui marche pas parce qu'on n'a pas de pile. Et le Tetris. Voilà, on a eu plein de choses. De toute façon, vous allez le voir dans la récap tout de suite. On vous fait de gros bisous. À bientôt. We'll be right back.